Moi, je l'ai démarré parce qu'on avait perdu les betteraves. Et il fallait absolument que je retrouve une tête d'assolement dans la rotation des 6 ans pour pouvoir faire du lin. Au départ, c'était vraiment pour préserver la qualité et la rotation de la culture du lin. On pourrait dire aujourd'hui qu'on va avoir pratiquement les mêmes ratios et les mêmes résultats qu'avec un lin. Donc on va pouvoir insérer deux cultures industrielles dans une rotation de 6 ans avec des marges qui seront équivalentes à ce qu'est le lin aujourd'hui. Les conditions climatiques extrêmes qu'on a eues cette année, le chanvre a l'air d'être une plante qui supporte, qui tamponne un peu ces conditions extrêmes. Et là, cette année, ça va vraiment être des tests à grandeur nature, c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'avant, l'année dernière, on n'avait que des micro-parcelles d'un hectare. Là, on va avoir des parcelles entières, hein, de 5, 6, 7, 8, 10 hectares, même variété. Et là, on va pouvoir faire vraiment des tests macroéconomiques intéressants. Maintenant, on la coupe en bas, on la coupe en haut et on coupe la tête que l'on broie sur le côté pour pouvoir récupérer l'année prochaine les fleurs. Là, on est en train de faire des tests pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les fleurs de chanvre. On est en train de faire des tests en labo avec Arôme de Normandie pour voir quelle va être l'utilisation de ces fleurs-là. Alors l'évolution essentielle qu'on a été apportée sur la machine, c'est qu'on a mis un lamier pour la coupe du bas et on a ouvert les cœurs de l'arracheur de façon à que la plante soit mieux accompagnée et que la machine soit mieux alimentée. C'est une machine qui n'a jamais existé, donc forcément elle n'allait pas marcher en claquant des doigts, hein, mais enfin, ce que je souhaitais, c'est-à-dire la parallélisation de la matière coupée et calibrée en 90 cm, ça c'est réussi et c'est de bon augure pour pouvoir maintenant retourner, enrouler et surtout amener au taillage. On a signé une charte avec LC Bio et tous les acteurs de l'amont et de l'aval de la filière pour que tout ce qui va être produit en chanvre reste en France et en Europe pour faciliter la relocalisation des filatures, des tissages. Et il y a une demande phénoménale. On veut essayer de le capter et de le garder en France et en Europe pour que ça serve à la relocalisation du textile en France. Merci Henri pour les explications sur la saison 2022. Je suis Niels Barth, PDG et fondateur de Hiller SA. Voici quelques explications supplémentaires sur la machine Hiller Sativa 200. Après deux récoltes réussies avec deux machines de la Belgique juste à la Charente-Maritime, nous avons récolté plus de 170 hectares dans toutes les conditions possibles. La machine pèse environ 19 tonnes avec toutes les options. La consommation se situait entre 14 et 18 litres à l'heure. La vitesse de récolte est la même que pour le lin, avec la possibilité de récolter pendant la pluie. La machine est modulaire, ce qui lui permet d'être à l'épreuve des temps. La trémie de la machine est optionnelle pour récolter les têtes. La machine récolte la tête de la plante sur une seule rang, puis le pied de la plante sur une seconde rang, ce qui est très important pour diviser les deux différentes classes de fibres. Ensuite, un brailleur de tête est prévu avec des lames réglables pour la longueur broyée souhaitée des têtes. Ceux-ci peuvent être collectés dans la trémie ou être soufflés sur le côté. Il y a également un réglage automatique de la hauteur de la récolteuse de pied et tête, de la barre de coupe et du brailleur de tête. Tous ces réglages de hauteur se font directement sur le joystick et s'affichent sur l'écran, ou alternativement automatiquement avec la caméra qui est montée sur la cabine. Sur l'unité de récolte, il y a des courroies secondaires qui permettront une alimentation du chanvre beaucoup plus douce dans les courroies. En plus, il y a un nettoyage automatiquement des feuilles au niveau de la récolteuse à pied. La machine est équipée des pneus à grande surface au sol.
Le déport de l'andin se fait par un point de pivot dans la machine. Cela assure une meilleure répartition du poids sur le champ et réduit la pression au sol. La machine dispose également d'une garde au sol élevée, une excellente accessibilité au moteur, diesel et tous ses composants. La machine est ainsi équipée de ASR, ESP, ABS, IoT et GPS.